Je suis Philippe Jarigeon, je suis photographe et éditeur d'une revue d'art qui s'appelle Dorade Revue Galante. J'ai un intérêt particulier pour la nature morte, l'image mise en scène. La nature morte, c'est le fil rouge de ma pratique. Et tout en étant photographe, je peux aussi parfois être scénographe, parfois quitter la nature morte pour faire des travaux plus complexes. Et c'est un peu là que ça se passe. En fait. Voilà. J'ai un intérêt pour faire des images qui ont l'air très attractives, très séductrices, donc effectivement très léchées et en même temps à la fois très drôles, et avec une volonté d'être assez critique sur ce qu'est photographié. Je ne me considère pas fondamentalement comme un photographe de mode, mais l'image de mode, c'est un sujet qui m'intéresse et auquel photographiquement j'aimerais répondre. Dorade, ça a commencé il y a 3 ans. C'est un magazine qui est né d'une collaboration entre Sylvain Ménétret, écrivain, journaliste, et moi-même. On avait envie en fait de fonder ensemble ce qu'on savait faire de mieux, c'est-à-dire avoir une réflexion sur le texte et une réflexion sur l'image, en rendant hommage à certaines revues surréalistes, telles que Minotaur ou Document. Dorade, c'est autour d'une thématique, des pages qui réunissent des textes et des images à la manière d'un collage ou d'une exposition au format papier. Alors je ne sais pas si l'idée d'amuser les gens m'intéresse particulièrement. C'est plus l'envie de faire réfléchir à comment regarder une image en fait. Faire rire les gens, c'est plus un effet, c'est pas une volonté de départ.